C'est presque incroyable ce que j'ai vu ce matin. En ouvrant les rideaux, devant moi, le ciel entier était d'un rouge que je n'avais jamais vu auparavant. Mais ce n'est pas tout. En sortant de chez moi, j'ai remarqué que ma voiture était recouverte d'une boue limoneuse. Et ce n'était pas seulement ma voiture, mais toutes les autres voitures du quartier. J'ai donc cherché sur Google « voiture embourbée par la pluie » et j'ai découvert que tout le monde en Angleterre s'était également réveillé avec ce que Internet appelle « la pluie de sang ». Selon le service météorologique britannique, la pluie de sang se produit lorsqu'une forte concentration de poussière de couleur rouge est mélangée aux nuages, donnant à la pluie un aspect rougeâtre lorsqu'elle tombe. Mais d'où vient cette poussière? La réponse, le désert du Sahara. Ce phénomène météorologique rare a été déclenché par de l'air chaud transporté par un nuage de poussière sur plus de 4500 km à travers la Grande-Bretagne. Et lorsque cette poussière a été mélangée à nos précipitations, elle a créé cet effet de pluie de sang. Une fois que l'eau s'est évaporée, elle a laissé derrière elle cette couche de poussière. Ce qui fait que toutes les stations de lavage de l'Angleterre sont entièrement occupées aujourd'hui. Mais saviez-vous qu'à travers le monde, il y a des choses bizarres qui se produisent? En mai 2022, dans un district de Chine, le ciel entier a pris une couleur rouge encore plus sombre. Et personnellement, je ne suis pas sûr de croire à leur explication. Ils affirment que cela a été causé par un très grand bateau de pêche et que la lumière s'est reflétée sur ce bateau de pêche et sur les nuages au-dessus. Je sais que je peux me tromper, mais il est difficile d'ignorer les autres événements étranges qui se produisent. Comme l'équipe de football de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, qui a vu son match interrompu par un énorme essaim de sauterelles en Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite surprend le monde entier cette année. En janvier, nous avons constaté que les déserts arides devenaient d'un vert luxuriant. De plus, des vidéos ont été diffusées sur Internet montrant des sources abondantes jaillissant dans ces régions arides. Comme venant de nulle part, d'immenses étendues d'eau sont formées. Vous savez sans doute que cela a fait beaucoup de bruit parmi certains chrétiens. Car ils croient que ce verset biblique s'accomplissait sous leurs yeux. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. J'ai aussi vu des gens en ligne qui disaient, cette nuée de sauterelles, cette pluie de sang, le ciel rouge, ce sont tous des signes que la fin est proche. Assurément, le retour de Jésus doit être imminent. Après tout, l'Écriture dit bien, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Cependant, malgré le fait que tout un tas de gens aient rapidement jugé une vidéo que j'ai faite, sans l'avoir regardée, je suis massivement contre le fait de fixer une date. Jésus a enseigné très clairement que personne ne connaît l'heure, pas même les anges dans le ciel, ne sauront quand le Christ reviendra. Il n'y a donc aucune chance que vous et moi le sachions. Si quelqu'un vient vous dire « le Christ reviendra à telle date », vous devez fuir d'un million de kilomètres de cette personne, parce qu'elle dit un tas de mensonges. Écoutez-moi, nous n'avons pas besoin de signes et de miracles pour comprendre l'urgence de devenir un disciple du Christ. Le fait est que vous ne savez pas si le Christ reviendra demain. Mais vous ne savez pas non plus si demain votre cœur battra encore. Et c'est pourquoi chacun de nous a besoin que le sang du Christ, si vous voulez, pleuve sur nous, pour nous couvrir, et pour nous protéger des jugements de Dieu, et pour nous donner la vie éternelle. Où veux-tu en venir, Joe? Eh bien, tout au long des Saintes Écritures, nous voyons ce message, que sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon des péchés. Dans l'Ancien Testament, les grands prêtres n'étaient pas autorisés à entrer en présence de Dieu, à l'intérieur du Saint des Saints, sans un sacrifice de sang pour expier les péchés. Nous voyons aussi, vous souvenez-vous en Égypte, quand la colère de Dieu s'est abattue sur les Égyptiens. Qu'est-ce que les Israélites ont reçu l'ordre de faire? Il leur dit de prendre le sang d'un animal et de le peindre sur les poteaux de la porte, pour que quand l'ange du Seigneur passera,
ils sauront qu'ils sont en sûreté, qu'ils sont protégés. Ils ne seront pas touchés, parce qu'ils seront couverts par le sang. Et puis à la croix, nous voyons l'agneau de Dieu, qui a versé son sang sur cette croix, Jésus-Christ, pour que nous soyons pardonnés et que nos péchés soient expiés. J'entends souvent les athées dire « Pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement pardonner à tout le monde ? Pourquoi exige-t-il du sang ?» La réponse est simple. La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et la réalité est que, le jour où l'homme et la femme ont péché contre Dieu, le jour où nous nous sommes rebellés contre notre Créateur, nous avons attiré une malédiction sur nous-mêmes. Nous avons apporté la mort. Et c'est pourquoi la mort est nécessaire, pour renverser cette malédiction et nous ramener. Parce que nous avons fait quelque chose de grave et qu'il y a un prix à payer. Le pardon n'est jamais moins cher. Le pardon coûte toujours quelque chose. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu a créé un chemin. Dieu trouve toujours une solution. Il ne nous a pas laissés dans ce pétrin. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui, soit dit en passant, s'est donné de son plein gré. Et là, sur la croix, Jésus a été puni pour nos péchés. Là, il a versé son sang pour que nous soyons lavés, plus blancs que la neige. Je ne veux pas pousser l'imagerie trop loin, mais comme lorsqu'on est impur, on a besoin d'une douche, vous et moi sommes impurs devant Dieu. La Bible dit qu'aucune chose impure ne peut se tenir en présence de Dieu. Et nous avons des taches sur tout le corps, des taches de péché de la tête aux pieds. Nous sommes couverts de péché. C'est pourquoi nous avons besoin de la douche de bénédiction, du sang du Christ, pour effacer ces taches et nous rendre propres. Si vous préférez, nous devons nous tenir sous le Christ Jésus et laisser son sang pleuvoir sur nous et nous rendre acceptables et purs aux yeux de Dieu. Dieu lui-même dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » En 1876, Robert Laurie a vraiment résumé tout. Ce que j'ai essayé de dire dans cette vidéo, parfaitement. Lorsqu'il a écrit ces mots, « Qu'est-ce qui peut me laver de mes péchés ? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me parfaire encore ? Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend plus blanc que neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. » Et si vous êtes personnellement fasciné par les signes bibliques dans les derniers jours, vous devez voir cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus.